ça va. Ouais, ça j'ai... Va. Attends, j'ai eu très très peur là. Tu as peur de la Kazumi, c'est ça? Oui, non. Parce que j'ai joué Kazumi saison 1, c'était mon main saison 1. Puis Arslan a gagné, ils ont défoncé le perso. Mais je suis heureux, je suis un homme heureux. Et oui, merci Kevin. Et je prends. Et ça me fait plaisir ça. Du coup, on s'attaque à Guni avec des fondamentaux. Mais j'aime bien ce que je vois. Alors, je suis d'accord pour dire qu'après ce qui s'est passé, après la victoire de Arslan, du coup, Kazumi a pris très très cher et qu'on la voit plus. Du coup, ouais. Mais j'en suis dégoûté. On avait Ulsen du côté de l'Asie là, qui commence à revenir sur le jeu. C'était un ancien. Ouais. Il revient. Et... Ah carrément. Il d'accord. Kazumi, ouais. Donc okay. À voir ce que ça va donner. La dernière fois que j'ai vu Kazumi, mine de rien, sur Versus Fighting, c'était pré-patch, mais bon, le perso a pas suffi de gros buffs, on va pas le dire. Oh là, un petit low qui est déjà raté. Côté Kevin Tech, ça n'a montré rien de bien grave cependant. Ça, c'est pas aucun pop, c'est confirmé. Mais tu vois, ça joue beaucoup pop, hein. Ouais. Ça joue vraiment ça, beaucoup, parce que je me rends compte quand même que c'est vraiment pas un jeu. Tu vois, je commande beaucoup du DBFZ, ça n'a rien à voir. Ah, toi, t'es un joueur de DBFZ à la base? Bah, je commande beaucoup de jeux 2D. Okay. Donc là, c'est la première fois que je commente un jeu en 3D pour le coup. Okay, et c'est vrai que bah, Tekken, tu vois, par rapport à des jeux genre Killer Instinct ou que je commente ou des BFZ, sont assez portés sur les combos. Donc c'est du neutral. Là, on est vraiment sur du POC neutral plus qu'autre chose. Ouais, bah là, surtout spécifiquement dans ce match-up, tu vois, il y a des persos qui vont t'imposer des mix-up et tout. Là, vraiment, Kazumi Jack, c'est quand même deux persos extrêmement basés sur ça. Et donc, on va voir que des POC, que des punish, que des rien d'autre. Hilo ici, encore. Pour l'avantage à la liste côté Kevin Tech, très bon zoning, hein. On se commit pas. Pour le moment c'est 1-1, il n'y a pas de 2 qui sort pour le moment parce que c'est passé. Oh, le Magic Fork, il y a un Magic Fork qui a été trouvé, c'est bien. Avec directement le run, il a raté malheureusement. Oh le délai. Tac. Est-ce que ça peut emmener au mur? Et ça fait mal quand même, Jacques. Il a mangé quelque chose qu'il ne devait pas manger. Je pense qu'il doit se mordre un peu les doigts, mais c'est pas grave, faut rester dans le match. Okay. C'est pas fini, bien sûr. On a vu que le deuxième match, le deuxième round était beaucoup plus tendu que le premier. Kevin Tech, peut-il le faire? Peut-il revenir? Je pense qu'il va falloir arriver à trouver des whiff finish. Pas beaucoup. Yes. Allez, diagonal 4. Non, ouais, ça peut finir cependant. Oh. Bolzi, c'est Bolzi. Un peu, ouais. Un peu loin, malheureusement, là-dessus. Juste un jab, histoire de voir un petit peu la réaction de l'adversaire. Du genre avantage. On reste au niveau de. Oh, attends, on parlera plus tard, d'accord. Le pari qui a été trouvé. Oh, il a raté, malheureusement. Encore. Alors, ça, je crois que c'est tac-tac, et puis il y a un 4 qui sort à la c'est fin. C'est ça, je crois, exactement. Ouais. Exactement ça. Oh non, Kevin. Il a rematch. Il a rematch. Je conseille souvent aux joueurs, tu vois, qu'il y a un centre rematch après. Comme ça, de au moins repasser par le caractère select. Il faut prendre du temps. Peu importe le jeu de baston, oxygène ton cerveau et analyse. Et même si t'estimes que toi t'en as pas besoin, ton adversaire il est dans une telle lancée. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu utilises les moyens à ta disposition pour. Aïe, la preuve, la lancée. Commencer direct avec un Lopari. Il est en confiance, il sait qu'il a rien à craindre. Il sait qu'il est un peu dans le dur là. Oh, il s'est baissé sur ça. Attention, ça se tombe, le bras carrément, dans les chevilles, sur le bras. On essaie de trouver ce qu'on peut. Ça fait la string en entier, bien puni. Elle est compliquée là du côté de Kevin Tech. Ouais, lui punit directement, hein. C'est vraiment compliqué. Faut que Kevin Tech soit un poil plus patient et arrive à. Oh, c'est pas puni? Ça peut peut-être pas se punir avec Kazumi, je sais pas. C'est pas spécifique. C'est vraiment. Par contre, à l'avantage de Guni, c'est vraiment la range du perso. Hein. Ouais, sans déconner. Il l'utilise vraiment très très bien. Ah ouais, c'est assez violent hein, quand même. Hein. Jouer contre Guni, c'est un peu l'équivalent de taper dans un mur. C'est très, ouais, quand très t'as compliqué pas de créer la petite fissure. Oh, et ça passe, il en fait deux d'affilée, trois, un autre lot, c'est bloqué. Niche qui avait été prise et l'armor pour absorber le coup, évidemment. Ouais. En plus, j'y pense, mais Kevin Tech, c'est vrai qu'il joue un perso dont les steps sont pas les meilleurs, on va dire. Ouais, j'avoue, je me suis pas intéressé aux steps de Kazumi, c'est pas. J'ai pas. En fait, je vais citer ma source, c'est Arslan qui a dit dans une vidéo qu'elle a toujours ce problème en fait avec les steps, apparemment. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. Ah bah pas de duck mais Lopari à la place, écoute. Sur du quasi perfect là, et ça confirme, mais c'est fou. Et la domination a été violente quand même. Guni qui a déroulé. Kevin Tech qui malheureusement a pas réussi.